Les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Sadio Mané au Real Madrid. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et c'est parti. L'arrivée du Sénégalais à Madrid serait-elle une bonne idée? Et est-ce que c'est possible? Tout d'abord, est-ce que l'arrivée de l'attaquant du Bayern au Real Madrid serait une bonne idée? Et la réponse est oui. Le Real Madrid, l'un des clubs de football les plus prestigieux au monde, est connu pour attirer les meilleurs talents. Récemment, des rumeurs ont circulé sur l'éventuelle arrivée de Sadio Mané, le talentueux attaquant sénégalais du Bayern au Real Madrid. Cette thèse se propose d'explorer les raisons pour lesquelles cette acquisition potentielle serait une bonne idée. Nous analyserons les compétences et les qualités de Mané, ainsi que les avantages qu'il pourrait apporter au Real Madrid sur le plan sportif et économique. Dans un premier temps, l'arrivée de Sadio Mané au Real Madrid serait une bonne idée car Mané possède des compétences et des qualités vraiment incroyables. En effet, Sadio Mané est un joueur exceptionnel qui s'est distingué tant au niveau national qu'international. Il possède une rapidité et une agilité remarquables, ce qui lui permet de déstabiliser les défenses adverses. Son sens aigu du placement et son jeu collectif lui permettent également de contribuer à la création d'occasions de but. Mané est un joueur polyvalent, capable d'évoluer à plusieurs positions offensives, ce qui fait de lui vraiment un joueur flexible tactiquement. Sadio Mané pourrait également renforcer l'attaque du Real Madrid. Le Real est un club réputé pour son style de jeu offensif et spectaculaire. Avec le départ de certains joueurs clés ces dernières années, notamment Karim Benzema, l'équipe a besoin de renforts pour continuer à dominer sur la scène nationale et internationale. L'arrivée de Sadio Mané apporterait une menace constante pour les défenses adverses grâce à sa vitesse, sa technique et sa capacité à marquer des buts. Associé à des joueurs talentueux tels que Vinicius ou encore Rodrigo, Mané pourrait former un trio d'attaque magnifique et vraiment redoutable. L'arrivée de Sadio Mané au Real Madrid aurait également un impact économique et médiatique significatif. En tant que l'un des joueurs africains les plus populaires et respectés, Mané attirerait de nouveaux supporters et renforcerait la présence du club en Afrique, un marché en pleine expansion. Son image de joueur engagé, humble et généreux serait un atout pour le Real Madrid en termes de partenariats commerciaux et de relations publiques. De plus, son aura médiatique contribuerait à renforcer la visibilité et l'influence du club sur la scène mondiale. L'un des défis majeurs du recrutement de nouveaux joueurs est son intégration dans l'équipe existante. Cependant, Sadio Mané est connu pour sa personnalité positive, son esprit d'équipe et son professionnalisme. Il a déjà évolué aux côtés de joueurs de renom tels que Mohamed Salah et Roberto Firmino à Liverpool. Et sa capacité à s'adapter rapidement à un nouvel environnement est un atout précieux. Mané pourrait apporter sa détermination et son éthique de travail exemplaire qui sont des valeurs importantes dans la culture du Real Madrid. En résumé, l'arrivée de Sadio Mané au Real Madrid serait une excellente décision. Ses compétences techniques, son talent individuel, sa polyvalence et son attitude exemplaire font de lui un joueur précieux pour renforcer l'attaque du club. Sur le plan économique et médiatique, Mané apporterait une dimension internationale et contribuerait à l'expansion du club. Enfin, son adaptabilité et son esprit d'équipe seraient des atouts majeurs pour faciliter son intégration au sein de l'équipe. L'arrivée de Sadio Mané au Real Madrid représenterait donc une opportunité prometteuse pour le club, les fans et le joueur lui-même. Et pour finir, est-ce que l'arrivée de Sadio Mané au Real Madrid serait possible? Et la réponse est oui. Dans le passé, les grands clubs de football ont déjà exprimé leur intérêt pour Sadio Mané et il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football actuel. Si le Real Madrid recherche un renforcement offensif, il est possible que Sadio Mané soit une option pour eux dans le futur. Cependant, cela dépendra de plusieurs facteurs clés tels que la disponibilité du joueur, les fonds nécessaires pour conclure l'affaire et l'avis de l'entraîneur et des dirigeants du Real Madrid. Voici pour ma vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et ciao.